Salut à tous et salut à toutes, c'est VisiGaming. On se retrouve sur le Let's Play de Bloodborne. Donc j'ai changé encore un peu de mon équipement, c'est-à-dire que la lame, le cyprès, je l'ai remis en feu. Je voulais le laisser en feu parce que ça m'a aidé. Celle-là, je l'ai mis en dégâts physiques purs. Et voilà, c'est tout à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai racheté avec le reste des côtes sang qui me restaient des cocktails Molotov. Molotov. Ouais, c'est pareil. Donc, dans cette vidéo, on va explorer de la toute nouvelle zone qui s'offre à nous. Donc là, c'est physique au max, et là, c'est le feu. Donc, en espérant que j'ai pas fait trop de conneries. Je voulais du dégât physique pur et du dégât feu pour comparer. Surtout pour comparer. Et voilà. Ah, j'allais dire. Et voilà le premier fail, mais non. Pas encore. Bientôt. Ouais, ils font très mal ces ennemis, ils font très très mal. Donc des balles vif argent, il me reste à peu près 50 balles dans mon coffre. J'irai peut-être pas refarmer tout de suite, mais par la suite pourquoi pas. Ça m'a servi contre le boss, donc ça pourrait me resservir. Donc voilà, une nouvelle lanterne. Et ben voilà, on arrête la vidéo là. Non, je rigole. On va continuer, hein, bien sûr. On va essayer d'avancer au maximum. Et si je tombe là, je peux pas repartir. Si, voilà. On va essayer d'avancer au maximum. Là, il y a un homme mouche ou un je sais pas quoi, là. C'est bizarre. Ils sont bizarres, ces ennemis. Et ils sont vraiment bizarres. Bon, allez, on va essayer de tomber là. Tant pis, on va pas... Je vais vérifier qu'il n'y a personne là, c'est bon. Donc lui, on va là. Ah là 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 là, j'ai fait n'importe quoi là. J'ai fait n'importe quoi. On va essayer avec la nouvelle arme en dégâts purs physiques. On va voir si on peut augmenter. Enfin, on se pourrait vers cette porte. Le mécanisme est de l'autre côté. Je pense que ça va nous ramener à Yharnam, ça. Je suis pas sûr, hein, mais je pense. Là, j'avais vu d'en haut là qu'il y avait encore un ennemi, hein, donc j'ai pas. Voilà. On va essayer de. Avec des dégâts physiques. Je... Ah, je suis repassé en petite main. Ça, c'est de la folie ou un truc comme ça. Ouais. Ça fait mal aux oreilles en tout cas. Ils sont vraiment bien dégueux ces monstres. Hein. Ils sont bien dégueux. On va explorer, on va essayer d'explorer partout. Là, je peux tomber là. Ah, le mécanisme, je pourrais peut-être l'ouvrir d'ici directement. Là, je peux monter ou aller en bas. Je vais peut-être aller en bas, voir si on peut ouvrir la porte. Là, il y a peut-être quelque chose ici, non? Ne s'ouvre pas de ce côté. D'accord, là, il n'y a rien. Et là, ça ramène. Ouais, c'est bon. J'ai cru voir un grand ennemi. Oh là là, c'est quoi ça? Oh! Oh bah! On va repasser là, on va pas y aller tout de suite qu'on voit ce grand ennemi. On va pas y aller tout de suite, hein.
Oh lolo, c'est bizarre. On va monter là plutôt. Ouais. Je serais peut-être plus en sécurité par ici. Ah, il y a lui. Ah zut, zut, zut. Oui, il est vraiment méchant lui. Et j'ai pas l'arme qu'il faut, je pense. L'autre arme avait l'air plus forte. Contre lui. C'est passé avec ma deuxième arme. Faut pas qu'il me touche avec ça. Ouais, voilà. Je dis ça, puis il me touche directement après. Par contre, j'ai perdu des. Ah non! Non! Il mange mes. Ma lucidité! La... Ah non. Ah non, il est dur cette nuit. Avec l'épée marteau, je lui mets un coup, il meurt quoi. Et là, il est vachement dur. Hein. Je vais essayer de l'attaquer tout de suite. Ouais, ouais. Une tête allergique. Enfin, une tête faible au feu. Ah, il m'a défoncé, il m'a pris toutes mes potions quoi. Mais il m'a pris toute ma lucidité aussi. Oh non. De 17, je suis passé à 11. Mais je viens de là-bas, bah, donc je vais être obligé d'aller contre le grand ennemi là-bas. Ou peut-être pas, je peux peut-être aller par là, non? Parce qu'il a l'air violent le grand ennemi, hein. Ouais, bah de toute façon, il faut pas reculer hein, quand c'est comme ça. Allez. Fait des bonnes attaques amples avec cette arme. Enfin, des attaques qui balayent bien de droite à gauche. Ça peut être cool. Ouais, il faut pas assez. Eh, c'est quoi ça? Allez. On va prendre son courage demain et on va essayer d'y aller sans trop mourir. On va pas essayer de mourir même. C'est encore mieux. C'est la folie? Ah non. On dirait qu'il s'est aspiré par la folie. Ouais, ouais, va te sauver bien. Hein. Ouais, cette arme est cool. Tranquillisant. Ah mais là, en fait, j'ai fait tout ce que je pouvais, là, non? Ah non, il est par là. Non, il vient de par là. Là alors? Ouais. Ma lanterne n'est pas allumée. On va garder les cocktails, on ne sait jamais. Un coffre. C'est assez rare. Il doit y avoir quelque chose ici. Limace ornée de perles. Limace, hop. Il veut pas lui. Mais il.
Nouveau chasseur. Nouveau chasseur avec un fouet. Elle fait une grosse grosse attaque. On va peut-être pas mettre une pause. Si si, enfin, je sais pas. Non, on va pas mettre une pause, on va revenir. Je vais mettre une pause et on va revenir directement ici. Voilà, on se retrouve directement ici. On va essayer de récupérer ses échos de sang, mais de aussi récupérer, enfin de tuer le chasseur directement. Je sais pas si je vais garder cette arme parce que je la connais pas excessivement bien. Donc le chasseur il doit être en haut, hein. Ouais, il est là. On va essayer d'y aller. Hein. On va faire du mieux qu'on peut. Hop, on va se ramener. Ah ouais, mais elle fait comme la femme qu'on avait vue avant. Et elle fait très mal avec son attaque fouet. On va rester sur la rapidité, je pense. Hop. Je vais. Oh là, elle va presque tuer. Et là, elle va me tuer. Je suis repassé avec mon arme de base. Enfin, de base. Ça est très dur, hein. À la contrée. Ah voilà le match. Ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être pas la tuer en vidéo parce que je vais pas remettre 50 fois une pause. Et je vais essayer de la tuer directement sans même si vous voyez pas, tant pis, maintenant vous avez vu tous ces patterns, quoi. C'est juste pour moi, pour pas que ça soit trop chiant à regarder pour vous non plus. Voilà, de retour après ce périple, oh là 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 là, elle m'a défoncé dans tous les sens. J'ai su la contrer, mais même des comptes, ça lui faisait pas mal. J'ai dû, il fallait faire 3, 4, 5 comptes d'affilée. Oh, en plus, je reviens ici. Ça sert à rien cette porte. Je m'en servirai pas. Donc, allez, retour dans Bloodborne. On va essayer d'explorer un peu le haut. Un verrouillé, ok. Il y a énormément de... Et en plus, elle a rien looté. C'est ça le pire. C'est que le c'est peut-être l'un des plus durs chasseurs que j'ai eu. Uniforme d'étudiant. Eh, c'est... ça défense physique beaucoup, hein. Ça me donne beaucoup de feu aussi. Par contre... Eh, c'est cool ça. Pourquoi je... Là je suis à 80 poussées. En fait je perds 2 stats. La défense de sang je perds de 10. L'ésotérisme je perds de... Ouais. De 20. Résistance poison je perds de pas beaucoup. Et la résistance poison rapide pas beaucoup non plus. Et je gagne vraiment en tout. Enfin en tout non. Là par contre c'est intéressant aussi ça. Il y a juste la défense physique qui est pourrie.
Marc, on est où, quoi? Bon, je vais garder ma tenue de corbeau. Parce que je le trouve beau, mon personnage, comme ça. Puis, en vrai, ça me fait pas beaucoup, hein. Je perds en défense de sang, j'en ai besoin. L'ésotérisme, c'est pour tout ce qui est la magie de feu, tout ça. J'ai plein de feu sur moi, donc ça me servira à rien. Par contre, celle-là peut me servir. Ésotérisme, ça le monte à 110. Le feu, 110. Il n'y a que la défense physique et la contendance qui baissent de 30. Ouais. Et comme ça, je suis comment? Ouais, c'est beau aussi, hein. Peut-être pas mettre ça. L'église blanc. Ah là, 40. Ça, 30 aussi. 30 de contendance. Défense de sang. J'augmente aussi là. Là, je vais mettre ça, c'est sûr. Fera un mix, hein. Un mix de... Non, ça c'est ce que j'aime mieux. Le chapeau. C'est ce que j'aime mieux. La tenue, défense physique. De 100, 110. 110, c'est intéressant, ça, elle est bonne, hein. Par contre, la poussée, la défense de sang, l'ésotérisme, je le baisse. Bah, de pas beaucoup, hein. Et là... Ça baisse en ésotérisme, tout ça. Bon, en fait... De 80, je passe à 110 aussi là. Et là, 110 aussi, 100 et 110. La poussée, je vois pas ce que c'est comme stat. Si vous pouvez me dire ce que c'est, ça me pourrait m'aider. Défense de 100 de 120, je passe à 110, ça va encore. L'ésotérisme de 110, je passe à 40. Voilà, par contre, c'est un peu plus chiant. Et le feu, j'augmente de 10. Ouais, je vais rester comme ça plutôt. Ouais, je vais rester comme ça. Un mix de deux ou trois tenues là. Il y avait que ça à voir en haut? Non. Je pense pas. Ah, là il y a quelque chose. Un livre. Quand la lune rouge est basse, la frontière entre l'homme et le monstre est floue. Quand les grands descendront. Un ventre accueillera un enfant. Ça parle d'enfants, tout ça. Ah, là, on va monter. Rond pour accélérer la montée, hein, c'est toujours pratique. Vérifier qu'il n'y a personne aux alentours. Clé du lunari. C'est peut-être la porte qui est en bas, non? J'ai envie d'aller voir en ce carreau. Non, on va d'abord aller voir en bas. Pareil, rond pour descendre, ça aide énormément. On meurt tellement souvent dans ce jeu. Ouvrir la porte et devenir un joueur. C'est un monstre ou pas lui? Et non. Fait voir d'aller là-bas. Non mais rien mon copain. Là, en fait, on vient de là nous. Là, les boss, les monstres, je les ai pas tués. Donc, franchement, sa baguette, ouais, ça revient là-bas, ça va vers même. Hein. Est-ce que le grand est là? Ouais, le grand il est là. Hein. Il est dégueulasse le grand. Bon allez, on va monter. Je sais pas ce que j'ai eu. Je pense j'ai augmenté mes... comment on appelle ça? La lucidité. Elle est remontée à 13. Je pense c'est à peu près ça. Hein. Mais j'étais à 17. Hein. Putain, les ennemis qui me bouffent la lucidité, je trouve ça hallucinant quoi. C'est comme si bientôt il y aura des ennemis qui vont manger aussi mes fioles de sang. Enfin
pas mes fioles de sang ou les échos de sang quoi. Je trouve ça abusé. Oh là 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 là. Lui. On va se mettre là, on va le combattre tout seul, il va sauter je pense. Allez viens. Sans trop de problèmes. J'oublie à chaque fois de déclencher mon compteur, donc je sais jamais quand arrêter une vidéo, si elle est trop longue ou quoi. Par contre, vous pouvez toujours me dire, hein, c'est carapace de fantasme vide. Si mes vidéos sont trop longues, trop courtes, pas assez bien expliquées, tout ça, vous pouvez toujours me dire, je suis vraiment ouvert à la critique. Hein. Cette carapace vide d'intervenir sera la famille d'un grand. Ouais. Je pense que c'est le pouvoir qu'utilise la chasseresse qu'elle utilise juste avant là. Il y a rien d'autre que ça. Ah merde. On a fait le tour pour toi ici. Là, il n'y a rien à voir. Ouais, rien. Je vais vérifier une deuxième fois. Bah là, c'est la meilleure. Ah, tout en bas, il y avait aussi une porte qu'on n'avait pas su ouvrir. Peut-être que maintenant, on pourra l'ouvrir. La porte a été à peu près là, ouais. Lui, il m'a donné quelque chose, mais je sais pas trop c'est quoi. Je pense que ouais, c'est de la lucidité. Hein. Ah si, on avait su l'ouvrir, c'était ça. Ça servait à rien, j'avais dit. Et ben... on se retrouve perdu. Perdu, perdu, perdu. On va chercher, hein. Cette zone peut être finie, hein. Il y a peut-être... un autre endroit à aller farmer ou aller voir. Par là-bas, il n'y avait rien. Voilà. J'ai bien entendu des pas. Alors, je sais pas s'il est fort ou pas. Après là, je suis perdu, je l'avais tué sans plus aussi. Bah voilà, on a fait toute la tour, le tour de cette zone sans découvrir de nouveaux passages. On va repartir en arrière. Le prochain monstre sera pas là, la prochaine zone non plus, donc on va repartir en arrière. Il y a peut-être raté quelque chose là-bas. Par contre, contre le mec plus haut là, je vais utiliser. Ça. Parce qu'il était beaucoup plus j'avais l'impression qu'il était contre ce coup là, il avait quasiment tué en une seule fois. Je vais essayer contre ces monstres pour voir. Ah, ça est fort. Elle est pas mal, elle est pas mal. Ah non, ah. J'ai manqué de mourir, j'ai...
ça m'aurait embêté hein. Donc ici il n'y a plus toujours rien. Sans qui était le mec assez relou là. Lui. Ah non, ça fait moins de dégâts quand même. Ouais, ça lui fait moins de dégâts qu'avant, donc c'est sûrement un ennemi assez faible que j'ai trouvé la première fois là. Bah ici y a rien. On n'a rien trouvé du tout. Ouais, on va devoir partir en arrière. On va rebrousser chemin. C'était une zone assez petite ici hein. Repartir jusqu'où aussi, parce que là il y a très longtemps qu'on n'a pas vu de passage inaccessible. Ah à l'église là, quand on avait tué Amelia là, le troisième, quatrième ou cinquième boss, je ne sais plus, quatrième boss. On était parti à gauche, mais à droite il y avait un passage aussi pour où il y avait les deux gros là. Je vais peut-être aller là. Ça va peut-être être la nouvelle zone de farming. Donc 293, 295, ouais je sais pas pourquoi mais ça me donne plus comme ça. On m'a dit il faut mieux se spécifier dans une compétence quand même. Hein. Je vais rester en force. Et je verrai bien par la suite si ça me donne des problèmes ou pas. Donc là je pense que j'ai pas récupéré de gemme, donc on va juste réparer les armes. On va réparer les trois. Hein. Par contre on a récupéré quelque chose là, ouais. Monstre, non. Je sais plus ce qu'on a eu. Nombre de balles, c'est peut-être ça, non? Plus 1, là j'en ai un nouveau. Défense plus ésotérisme, augmenté de 7%. Et moi, regarde, en troisième, j'ai défense physique augmentée de 3. On va peut-être mettre défense plus ésotérisme là. Défense plus ésotérisme, on va mettre alors. Et on va aller directement là où j'avais dit dans l'Yarnam. Donc c'est la vieille église. Non. La grande cathédrale, voilà. On va aller dans Yarnam et on va voir au côté gauche si on arrive à tuer les deux gros ennemis. Bon, je pense que maintenant ça a pu nous poser énormément de soucis. Mais je sais pas, on verra vraiment. On va vraiment voir si c'est par là. Parce qu'il y avait une porte, on l'avait jamais ouverte. Il y avait même la folie à côté de nous, si je me rappelle bien. On va essayer d'abord d'aller là. Et je verrai bien si c'est trop long. J'essaierai de trouver le nouveau lieu. Et je reprendrai la vidéo. Parce que ça me permet aussi de faire des vidéos un peu plus courtes. De toute façon, ça fait un peu moins de dégâts. Mais je leur fais pas énormément de dégâts non plus. On sait ça quoi. Non, non, faut qu'il faut bien les dégâts. On va arrêter de faire le bon. On va prendre une fiole. Voilà.
comme ça que j'aime bien, moi. Par là-bas. Les deux gros, si je me souviens bien, plus... Ah, il y avait les snipers, là. Je sais pas si on peut les tuer, maintenant, eux. Ouais, il doit y avoir un passage pour les tuer, hein. Normalement, tout ennemi est tuable dans ce jeu, donc... On va essayer. Là, je vais juste aller tuer le gros, là, parce que... Il m'a tellement fait chier que maintenant, j'ai l'impression que je peux le tuer plus facilement qu'avant. C'est tellement ça, quoi. C'est tellement... Donc là, ça va me ramener où, là? Eh, là-bas, ça me dit quelque chose, non? Eh ben là, je peux descendre, il y a quelque chose en plus. Fragment jumeau. Ah ben, ouais, c'est la porte, c'est ça, c'est là-bas. Ah ben les chasseurs, bah les là-haut. Bah maintenant, je vais vous passer pour tuer les deux chasseurs. Donc des balles, ouais, j'ai utilisé beaucoup de balles. Ah merde. Puis on va se prendre... Alors, on va les combattre quand même. On verra bien. J'ai plus de galets. Donc bah vu qu'il y a maintenant, on va pas prendre de galets. C'est l'autre arme pour voir si c'est plus pratique pour tuer un ennemi. On va bien voir. Hein. Ah, il y a une petite merde là. Oula, ouais, pratique pour celle pour tuer un ennemi comme ça. Je pense que je vais prendre celle-là en arme principale maintenant. Ouais, je vais prendre celle-là. J'en ai pas vu un deuxième. J'ai cru en voir un deuxième, bon. Peut-être pas. Ouais, là, j'ai... Oh là là, ça fait énormément de dégâts. Hein. Bon, si je me rappelle bien, il y avait la folie au bout du couloir, là, devant la porte. Donc, si on la voit, on va essayer de partir. Bon, 20 000, maintenant, ça ne sert même plus à monter un niveau, donc... On va faire attention. On s'ouvre pas. Ne s'ouvre pas. Bah donc c'est pas par ici. J'ai plus de souvenirs de lieux que j'avais pas découvert. Hein. La sorcière, on a tout tué à la sorcière. De l'autre côté, c'est pareil. Bah, on va essayer de, je sais pas, de trouver hein, ce passage. On va essayer de repartir d'ici jusqu'au bois interdit. Il y a peut-être quelqu'un à parler là. Ouais. La folie qui est passée dans le coin, quoi. S'il me donne encore des fragments jumeaux, ça serait bien. Ouais, voilà, c'est ce qu'il m'a donné en plus. Bah, je sais pas par où aller. Si je me souviens bien, par ici, il n'y avait plus rien. Il n'y avait pas de zone que j'avais pas découvert. Là-bas, c'est une porte, elle s'ouvre pas. On va repartir au bois interdit. Si je vois que c'est une vidéo qui fait trop long, quand on n'a pas de zone à découvrir, bah,
je repartirai. J'arrêterai la vidéo et on se retrouvera la prochaine fois quand j'aurai trouvé le vrai passage pour avancer. Comme ça, ça évitera aussi de faire des allers-retours pour rien du tout. Ah là, il y a tous les snipers là. Mais je pourrais farmer mes balles avec ici. Hein. Bon. Que faire? Et on dirait qu'il en fait un peu jour là, non? Là, c'est ma télé qui était réglée différemment. C'est vraiment ça. Hein. Donc des balles vif argent, j'en ai utilisé plein contre la femme, la chasseresse quoi. Je l'ai vu arriver de loin pendant. Bon allez, je vais pas farmer dans la vidéo, ce sera plus agréable peut-être pour vous. Ah, c'est le premier qui lui mettre quand il se secoue, il est circulaire. Et il est très intéressant pour tuer un paquet d'ennemis. Donc Emmerich Chamberlain. Et ça va nous ramener au bois interdit ou au bois je sais plus quoi après. Mais par ici je me rappelle qu'il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien. Donc on va passer directement au raccourci hein, et on va essayer d'avancer. C'est étonnant qu'après le boss il n'y ait pas de nouvelle zone. Mais en même temps ils nous ont fait le coup avec le troisième et le quatrième. Ah ouais, il y a très longtemps que je ne les ai pas combattus. Allez, on va essayer avec ça. Alors ça fait du bien. Là il y a le chien. De l'autre côté, moi, non, il n'y avait rien. Je vois pas du tout où je pourrais aller pour la nouvelle zone. Ouais, je me rappelle exactement tous les deux parce que je suis mort, je sais pas combien de fois ici. En voulant aller tuer la sorcière au plus vite à chaque fois. Quoi. J'ai manqué de mourir. Et vraiment comme un con là. C'est vraiment, j'ai pris trop d'assurance là.
ouais, c'est vrai, on aurait pu passer par ici directement. Il n'y a pas plus que ça, lui. Et il se passe quoi? Ouais, donc c'était bien par ici qu'il fallait aller, hein. Je sais pas, c'est... Ça s'annonce mal là. Ça s'annonce très mal là. Un fantôme. La carriole là, enfin la c'est peut-être une invitation à la prendre. Bah elle est où? Bah, c'est marrant ça. Bah elle est où? C'est marrant ça, il s'est passé quoi? Elle est où cette charrette là? C'est la carriole? Elle est partie par là-bas? Elle s'est arrêtée devant moi, elle a ouvert ses portes. Pas là, hein. On va vérifier, on va les tuer quand même. Vous avez pas tué? Bon, allez. Je sais pas où est cette charrette, où elle allait s'arrêter là. La diligence, voilà, c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Je sais pas du tout où elle s'arrête, où c'est ennemi. Il y a un mec, elle, une meuf qui gueule là, lui. Oh, il est là. Ouais, je sais pas du tout. Bon, on verra bien, on va avancer, et on verra. Mais quel intérêt de nous faire voir une zone? Enfin une... carré... enfin... une diligence. Ça peut pas le voir ce qu'il y a, il n'allait pas la prendre. Et en plus elle est même plus là. Là il y a le gros. Hein. C'est tellement plus simple de tuer comme ça. Ouais, je sais pas où elle s'est arrêtée cette diligence. C'est un peu un truc, c'est vrai. Ouais, je suis trop lent avec ça. Ouais,
Donc je sais pas du tout à quoi me servir cette intelligence. Ici on est revenu à la sorcière, donc c'est toujours pas par ici qu'il faut aller. On va essayer d'aller voir un tout petit peu plus loin. Si c'est pas là, bah on va stopper la vidéo, hein, puis je chercherai moi-même. Je chercherai par où aller. Bah ouais, forcément c'est pas par ici. Bah donc on va stopper la vidéo ici, hein. On va aller au rêve du chasseur. Et on va... je vais augmenter peut-être mon personnage avec vous en vidéo et on arrêtera. Parce que là on est loin et on sait plus du tout par où... Enfin, je sais plus du tout par où passer, donc... ça va être chiant pour vous à regarder après. Elle est revenue à sa place, c'est cool ça. Elle parle peut-être un budget, justement. Ouais, c'est bon, elle me dit toujours le même fait. Ça aurait pu être cool de changer de dialogue après chaque boss. À niveau, putain, mais maintenant c'est dur, hein. Allez, je vais monter quand même de 1 parce que. J'ai l'impression voilà, il me reste à peu près 800 écoute 100 j'ai plus rien à faire, je vais réparer mes armes, puis je vais arrêter la vidéo, hein. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo de Bloodborne. D'ici là, bah, amusez-vous bien. Si vous jouez à Bloodborne, passez vraiment du bon temps dessus. On se retrouvera trop souvent assez vite sur Bloodborne. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez toujours la commenter, la liker, la partager, mettre un pouce vert, vous abonner. Ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Mais vous pouvez, ça me fera énormément plaisir. En plus, si on peut discuter jeux vidéo, pas spécialement de Bloodborne, mais on peut parler de Bloodborne et d'autres jeux. Je suis un gamer, un peu un vrai dans l'âme. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, passez une excellente semaine.